Salut les makers, bienvenue dans mon atelier. On se retrouve cette semaine pour une vidéo fabrication, une vidéo que j'ai nommée « Si toi aussi tu en as marre de chercher ton câble pour charger ton téléphone, fabrique-toi une station de charge ». Projet perso numéro 7, c'est parti. Première étape, je vais fabriquer un moule pour pouvoir couler le ciment. Et pour ça, j'utilise une tablette mélaminée. Étant donné que c'est bien lisse, je pense que le ciment va être parfait. Maintenant que le moule est fabriqué, je vais faire le mélange de ciment. Alors c'est un ciment en prise rapide, donc j'ai 2 minutes pour mélanger, le mettre dans le moule et lisser sur le dessus. 2 minutes c'est court, hein. J'espère que ça va le faire. On va passer à l'étape suivante, on va faire le socle sur le dessus. Et pour la partie en bois, j'ai pris du chêne que j'ai mis à épaisseur et largeur, et maintenant je vais couper la longueur. Maintenant que j'ai coupé la partie en bois à dimension, je vais faire une rainure à la défonceuse pour pouvoir y mettre le téléphone. En bois est presque terminé, la rainure pour le téléphone elle est faite, j'ai fait le trou pour passer le câble et derrière une petite rainure pour pouvoir l'encastrer correctement. Maintenant je vais faire une petite battée sur tout le tour et passer à la finition. En bois est terminé, j'ai fait la battée, j'ai poncé tout correctement, je n'ai plus qu'à démouler le socle, mettre le câble à l'intérieur et coller les deux parties ensemble. Ça donne trop bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de liker, partager et commenter. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !